Born and raised in the beautiful city of Reykjavik, Iceland. Londres. La Rochelle, Châlons-Champagne. Épinay-sur-Seine. Latvia. Ottawa in Canada. Close to Toronto, Canada. New Zealand. Suisse. Portugal. Ermont dans la banlieue parisienne. Suresnes. Weymalmaison. Tulle. Tulle. Limoges. 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 Avignon. Châteauroux. Split, Croatia. London. Limoges. Limoges. Je suis un peu produit Limougeau. I would say that we work with a really amazing team that comes from different places all over the world. Une équipe vraiment soudée, une équipe qui se respecte et qui avance vraiment dans la même direction. Tout le monde se connaissait, tout le monde connaissait la vie de chacun. C'est quelque chose qui peut paraître bête, mais dans pas mal de sociétés, personne ne se connaît en fait. Les gens ne se connaissent pas entre eux. I could feel that we're more than just colleagues. They were friends. There's just a great atmosphere, and it's like a family, really. There's this like overwhelming sense of family, I guess that would be the best word. It's a very supportive environment, it's a very human environment, like there's no pretension. It's just kind of like everybody's there to do their jobs to the best of their ability, and everybody's ready to, you know, support each other when necessary. C'est des interactions continues avec tout le monde, avec des personnes venant d'horizons différents, de cultures différentes. Alors c'est pas toujours facile, mais c'est la principale motivation, puisqu'il n'y a rien de plus agréable que de se réunir autour d'une table à 5 ou 6 en essayant de trouver une solution à un problème et de voir que, bah, qu'on peut y arriver, quoi. Là, on se trouve sur la voie E, c'est en fait là où tous les trains à destination de Paris partent. Pour moi, c'est un lieu qui est important parce que c'est la première chose que j'ai vue de Limoges quand je suis arrivé il y a quelques années ici pour la première fois. Et quand je suis sorti de la gare, l'air sentait bon, une odeur d'herbe fraîchement coupée, de foin, une sorte de mélange comme ça. En fait, je me suis envisagé en fait dans cette ville et je me suis dit ouais, c'est là qu'on va ouvrir des bureaux. Ça semble être sympa. Des fois, ça se joue à peu de choses. Le ressenti par rapport à une ville, bah là ça s'est joué vraiment à la sortie de la gare. J'ai été très agréablement surprise de trouver une ville pleine de vie. Ma compagne m'a fait visiter la ville, les coins sympas, même les alentours de la ville et voilà, je me suis dit tout de suite voilà, je peux vivre dans cette ville. Il y a quand même une ville qui bouge un petit peu, mais juste en sortant de la ville, à 5 minutes, on peut être dans la campagne au milieu de nulle part, et la preuve, là on est à 2 minutes de Limoges et on a l'impression d'être au milieu de nulle part, quoi. Et aussi, on est loin un peu de tout le tumulte des grandes villes et du stress qu'il peut y avoir. Alors pour ça, je pense qu'on ne peut pas faire mieux qu'ici. C'est beau, mais c'est loin, comme dirait Jacques Chirac. C'est bon pour le son ? Ça tourne. Ça tourne, très bien. Première question. À l'initiale, IconoSquare, ça s'appelait Statigram. Ça a été lancé en mai 2011 et c'était un service qui était axé vraiment pour les utilisateurs comme vous et moi de votre compte Instagram, où en fait on délivrait des statistiques de façon assez ludique sur son compte Instagram. Je connaissais le service en l'utilisant et en fait un jour, en ouvrant un email, j'ai réalisé qu'il y avait marqué que c'était fait à Limoges. Donc ça a déjà été une première surprise. Et voilà, enfin, venant du domaine des réseaux sociaux, voyant aussi que Instagram était probablement un des plus gros succès qui allait arriver en termes de médias sociaux, j'ai bien senti qu'il y avait un vrai projet, peut-être plusieurs. Donc ça a été une des premières choses de voir qu'il y avait quelque chose derrière et qu'on avait un objectif à atteindre. Et la deuxième chose, c'est probablement, je me suis dit, mais... Enfin, c'était le bordel, quoi. Qu'il y avait plein de choses à faire, que ça allait dans tous les sens et que voilà, que ça demandait aussi
un niveau d'exigence puisque tout va très vite dans ce domaine et que c'était important de donner son maximum. Ce petit service qu'on avait monté en 5 jours, il a pris une ampleur qu'on n'aurait jamais imaginée, notamment aux États-Unis dans un premier temps. Et on s'est retrouvé quelques années plus tard, en fin 2014, début 2015, avec plus de 10 millions d'inscrits, mais sans avoir réussi à trouver réellement un business model. Et donc on a commencé ce travail de transformation d'un service B2C à un service B2B début 2014 pour faire le lancement de cette version qu'on a appelée Premium en mai 2015. 2015, ça a été une année une année charnière dans la vie de la société, puisqu'en 2014, on avait changé de nom et que... On savait que les règles du jeu allaient changer avec Instagram et qu'une partie de notre modèle économique n'allait plus être viable. Donc l'enjeu, c'était de changer de modèle économique, ce qui est déjà en soi pas simple. Et une des décisions qu'on avait prises dans cette stratégie, c'était aussi de se focaliser sur un segment de clients qui était plutôt, on va dire, de l'ordre de la grosse société. Et donc assez naïvement, on s'est dit qu'on allait passer d'une communauté de 12 millions d'utilisateurs à quelques milliers de clients seulement qui répondaient à ces critères de segmentation, ce qui est en fait déjà impossible. On ne peut pas du jour au lendemain mettre des millions de personnes qui nous ont aidés à arriver là où on en était à la porte en leur disant tout ce que vous avez utilisé gratuitement depuis maintenant 4 ans, maintenant ça passe en payant. Et en plus de ça, vous ne pourrez probablement pas vous le payer puisqu'on parle de centaines de dollars par mois. Et de l'autre côté, essayer de convaincre des grosses marques de rejoindre notre service. On s'est très vite rendu compte dans les premiers jours qu'en fait, ce qu'on avait construit pour les marques n'était pas du tout adapté, ni en termes de service, ni en termes d'ergonomie, ni en termes de pricing. Et le lancement a été un véritable échec. On peut même parler de catastrophe. Et il a fallu réagir extrêmement, extrêmement vite. Je suis prêt. Allez. Ça a été une assez grande frustration parce qu'on avait mis quand même beaucoup de temps et d'énergie à travailler dessus. Donc, c'est toujours assez désagréable d'avoir un échec. Ça a été un tollé énorme, forcément beaucoup de gens frustrés et déçus de ne plus pouvoir utiliser le produit et même des fois très en colère, ce qui nous a valu des menaces de mort, ce genre de choses qui étaient assez gratifiant d'un côté parce que ça montrait que les gens étaient vraiment investis dans le produit, mais d'un autre, forcément ça fait de la peine. C'est un échec que j'ai vécu très durement parce que d'abord c'était mon échec en tant que président de la société, mais ça a été aussi, ça a vraiment été l'effet positif, c'est que ça a été une vraie prise de conscience. On a commis tellement d'erreurs, des erreurs de management, des erreurs stratégiques, que ça pouvait pas aboutir à autre chose qu'un échec et à un échec total. En fait, je l'ai mal vécu, mais je l'ai aussi bien vécu. Enfin, pour moi, il y avait du bon et du mauvais à prendre. Ça a permis un peu de se mettre une claque et de dire revenons un peu sur terre et regardons ce qui n'a pas marché. Donc tout s'est passé très vite, en une semaine, on a lancé, on a décidé de faire marche arrière en faisant ce qu'on appelle dans notre métier un rollback, c'est-à-dire revenir à l'ancienne version. Et ça s'est passé le samedi, on s'est retrouvés, il y avait Romain, il y avait Sylvain, et puis on était en contact avec mes associés. On a décidé d'écrire une newsletter aux 10 millions de personnes qui nous avaient suivis pendant des années pour leur présenter nos excuses et leur dire qu'on avait, pour être cru, qu'on avait merdé et qu'on allait corriger le tir et qu'on reviendrait vers eux avec une nouvelle proposition. En fait, j'ai beaucoup aimé la manière dont on a rebondi, faire le constat à un moment donné que ça ne marche pas, communiquer tout de suite avec nos clients, avec notre communauté. Que vous fassiez ce rollback immédiatement et que vous preniez la mesure un peu de l'échec et que vous ayez le courage de dire on s'est trompé, on revient en arrière. Et je pense que toutes les sociétés ne l'auraient pas fait. Et ça démontre une grande humilité. Ça a été intéressant au niveau développement personnel et développement de la boîte parce qu'on s'est rendu compte que même si on avait subi cet échec, on pouvait repartir et redévelopper quelque chose qui tenait debout. D'un point de vue business, ça a été un tournant et je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, ça a peut-être été la meilleure chose qui soit arrivée à la société. Ce qui est remonté, c'est que je n'avais pas laissé suffisamment d'autonomie et de responsabilité aux différentes personnes. Et ce manque d'autonomie et de responsabilité, il était aussi ressenti comme un manque de confiance, alors que la confiance, elle a toujours été là en les personnes, mais il n'y avait rien pour le prouver, le manifester au quotidien dans nos actions et dans nos décisions.
Ça a été une grosse prise de conscience. Ça a été d'autant plus difficile que on avait beaucoup travaillé, donc il y avait une fatigue qui s'était accumulée. Mais j'ai commencé à me renseigner sur d'autres formes d'organisation, comment est-ce qu'on pouvait organiser une entreprise de façon différente. Et là, j'ai découvert, au travers de lectures et de rencontres, l'entreprise libérée. C'est une forme organisationnelle où la quasi-totalité des salariés sont libres et responsables des actions qu'ils jugent être les meilleures pour l'entreprise, qu'ils jugent être les meilleures pour réaliser en fait la vision de l'entreprise. Et tout ça, ça doit s'accompagner aussi d'un environnement de travail qui est là pour satisfaire les besoins psychologiques universels des personnes que sont l'égalité intrinsèque, le respect de l'intelligence, mais aussi la réalisation de soi, c'est-à-dire le désir de s'épanouir, le désir de réaliser son plein potentiel, et puis aussi l'autodirection, c'est-à-dire le désir de s'auto-gérer. Ça nous a apporté un nouveau cadre qui nous a permis d'avoir plus de confiance et de responsabilité. Et le fait que tout le monde avance dans la même direction. Et c'était un peu ça qui nous manquait, je pense. On n'avait pas vraiment de lead au niveau de technique. On essayait de gérer ensemble. Et en fait, le constat, ça a été que ça ne marchait pas. On a recruté Sébastien on a mis en place une organisation. Une des contraintes qu'on m'a mis au recrutement qui me faisait peur au début, c'est que j'avais carte blanche sur la partie technique, mais il était hors de question de se séparer de qui que ce soit dans l'équipe technique, même si on venait d'un échec, la société avait connu un échec, et qu'il fallait faire avec l'équipe qu'on avait. C'est un beau challenge, ça fait peur au début, mais avec le recul, ça témoigne de valeurs humaines qui sont assez importantes. On était tous un peu des moutons à cinq pattes et on faisait un peu de produits, un peu de marketing, un peu de vente. Au fur et à mesure, on a recruté des gens qui étaient très bons dans une chose particulière et ça a été top. Et le bien-être au travail, le fait qu'on ait vraiment misé 100% sur l'humain d'abord avant de miser sur le bénéfice et l'argent. Je pense que ça a été le changement le plus radical qu'on ait fait et probablement celui qui aujourd'hui porte ses fruits. IconoSquare, donc c'était les valeurs de l'entreprise qui m'ont vraiment conforté dans ma décision. Je ne voulais pas postuler n'importe où. J'ai postulé pour un seul poste avant IconoSquare. J'ai senti que c'était l'entreprise pour moi. Vraiment, il n'y avait pas de doute dans ma tête. J'avais beaucoup de choses à changer dans ma façon de travailler et c'était un environnement qui me plaisait plus trop, de sortir des choses qui étaient un peu vides de sens. J'ai trouvé chez IconoSquare ce qui manquait aussi en termes de sens et d'équipe. Je voulais travailler dans une entreprise à taille humaine. Je voulais une entreprise aussi qui ait des valeurs. La première impression, c'était vraiment d'arriver sur une équipe qui était très compétente, avec vraiment des experts dans leur niveau. J'avais l'impression de pouvoir apporter, pouvoir contribuer, et voilà, c'est quelque chose de très important pour moi. Je prends du plaisir aussi grâce aux personnes avec qui je travaille, que ce soit sur le plan professionnel ou humain. C'est des personnes super et avec qui je m'entends bien et avec qui j'apprends, moi aussi. Allez. C'est une première expérience professionnelle, donc on a un peu peur de l'équipe qu'on va avoir, s'il y a trop de monde, qu'on va pas trop s'intégrer ou quoi que ce soit. J'ai beaucoup apprécié tout de suite l'équipe, toujours bienveillante, toujours très sympa, etc. Dans tous les moments, toujours là pour aider, etc. Même quand j'ai commencé. Ouais. J'ai fait 3 ou 4 sociétés avant d'arriver chez IconoSquare. J'ai jamais connu d'ambiance aussi conviviale. J'ai jamais vu autant d'entraide au sein de l'entreprise. Ce qu'on prône plutôt, moi, de mon expérience ailleurs, c'est plutôt l'individualisme, la compétition. Ce qui m'a tout de suite plu chez IconoSquare, c'est cette convivialité une nouvelle fois, comme une sorte de petite famille où vous trouvez tout de suite des gens qui vont être là pour vous aider et jamais vous mettre en compétition avec vos collègues ou quoi. On est tous là pour s'entraider. Et c'est ça qui m'a vraiment plu et qui a fait qu'aujourd'hui, ça a déterminé mon choix pour aller chez IconoSquare. C'est normal à IconoSquare qu'il n'y ait pas de compétition entre les employés. Mais ça ne l'est pas dans les autres entreprises et c'est quelque chose qui enlève beaucoup de pression. Il y a un sujet qui est en train d'être mis en place aussi qui me semble très important, c'est de mettre en place une cagnotte pour pouvoir aider un employé de la boîte qui aurait un problème dans sa vie. Le bien-être au travail, etc., c'est vraiment la chose la plus importante. C'est ce qui fait que tous les matins on se sent bien et on a envie d'aller au boulot. Le fait qu'on bénéficie tous de ces choses-là, ce qui fait qu'on se sent tous mieux et ce qui fait qu'on
ça génère une bien meilleure ambiance au sein de l'entreprise. Il y a plein de sociétés qui disent faire du bien au travail, qui essaient de le faire mais qui ne le font pas. Je pense qu'on est une des rares sociétés que je connais qui le met en avant et qui le fait réellement. Un des éléments qui a été important dans cette transformation qu'on a voulu mener pendant ces 3 dernières années, ça a été aussi de changer nos relations interpersonnelles et de changer nos modes de communication au travers, premièrement, de la mise en place des accords Toltec, qui sont des accords de vie qui sont simples, mais qui sont extrêmement puissants. Et puis aussi au travers de l'apprentissage de la CNV. Et la CNV, c'est la communication non violente telle que définie par Rosenberg. Et ça, c'est quelque chose qui a été... qui pour beaucoup de personnes qui ont déjà suivi cette formation, quelque chose de très apprécié parce que ça change nos rapports, ça change nos modes de communication et de conversation. Le stage qu'on a fait sur la communication non violente, où j'ai pu échanger certaines choses avec certaines personnes que j'aurais pas pu échanger dans d'autres cadres. Donc j'ai beaucoup appris ce jour-là. As a leader at IconoSquare, I think it's really, really important that I understand how to communicate to the different types of people. Some people like verbal communication and written. It's really tailoring the information that needs to be shared with the right people at the right time within the company. And I think that's really important for me to improve myself. So I think that improving communication for myself between my team and the rest of the company, that's really important to me. I feel that I have the freedom to speak my mind, and that's really important, at least for me, to have the confidence to do that. La communication interne est bien meilleure. On sait beaucoup mieux comment communiquer, comment échanger les informations en temps réel et comment fonctionner ensemble. Ce qui, clairement, en 2015, n'était pas le cas. Cette notion de bien-être du salarié mis au centre de tout, c'est la première fois que je vois ça et j'en avais même jamais entendu parler auparavant, quoi. Et rien que ça fait que la boîte est unique. Le fait de savoir que sa voix en fait a autant d'importance que celle de ton chef ou de ton patron et qu'elle sera aussi prise en compte, c'est hyper, hyper agréable, hyper valorisant, quoi. Ce qui fait que je suis dans une société unique, c'est l'écoute des dirigeants envers ses employés. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on vit ça. Il y a une équipe formidable où, même si tout le monde a des caractères différents, on arrive à composer avec tout le monde, on sait qu'on est dans le même bateau pour avancer vers le même objectif. La liberté qu'on peut avoir de proposer, d'être écouté. Donc il y a un échange qui est assez unique, je pense. On essaie d'avoir une entreprise sur un plan horizontal. C'est pas possible, je pense, mais on va vers ça et c'est très agréable. Donc une expérience de moi à Toulouse dans une entreprise où c'était un petit peu, on va dire, même si c'était une start-up, c'était un petit peu à l'ancienne, où les patrons avaient leur bureau, où les gens étaient dans leur open space et il n'y avait pas trop de relations. Et la première impression que j'ai eue, c'est Jérôme dans son bureau avec une planche et 2 tréteaux et son casque de moto sur la table. Et je me suis dit, ah, je crois qu'on n'est pas dans les mêmes dispositions et ça m'a plu de voir que bon, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas cette sensation de patron à employé, de hiérarchisation qu'on trouve dans certaines entreprises. La date clé du 1er mai 2015, qui a été le jour, le jour d'après, j'ai envie de dire, où on a décidé de repartir à zéro et de relancer un produit. Donc ça, c'est ma première date. La deuxième date, forcément, ce serait le 1er juin 2016. 1er juin 2016, lancement de Pro à 23h45, un gros coup de chaud. La résurrection un petit peu, le lancement officiel de la nouvelle version d'IconoSquare, qui a été un gros, gros, gros changement. Et après, une date qui est là, qui a aussi son importance au niveau de la société, mais qui est un peu plus personnelle. Alors, je n'ai pas le jour exact, mais ce serait février 2017, quand, lors de ma première visite à Berlin, on s'est vraiment décidé à ouvrir un bureau là-bas. Et c'est là où... on a compris que la société passait encore un cap et ça a été important pour moi puisque ça a enchaîné beaucoup de choses après pendant un an et aujourd'hui on en tire tous les bénéfices. Donc voilà, c'est une date très importante.
Berlin, you can see anything you can imagine, and all sorts of people and food and cultures and all of this kind of like coming together and creating this like really weird but awesome energy. Je trouve qu'il y a à Berlin beaucoup de place qui est laissée à l'expérimentation, alors qu'à Paris il y a un peu ce côté voilà, tout doit être un produit fini. À Paris, il y a une certaine idée de ce qui est bien, du beau. Similar to this park, it's just the people, the vibe of the people. In Iceland, I feel like there's a lot of rat race going on. People are trying to overconsume or over worried about what other people have. But here, I don't feel the same. I feel like you can be whoever you want to be, and that just fits me right now. It can be a rough city sometimes, but at the same time, I think that's also what makes it Berlin in a good way, and I think it's a very unique place. Grow as a professional is also the best city to be, because there's just so many things going on all the time. So there's a lot of opportunities. Ah bah, recruter une dizaine de personnes presque un an après l'ouverture du bureau et 10 personnes de qualité, je trouve que ça a apporté plein de choses, voilà, de nouvelles nationalités, donc des nouvelles façons de penser, de fonctionner. Et voilà, je trouve que ça a enrichi la société. I chose Icono Square because believe it or not, I knew about it when it was Statogram. I actually had remembered it, you know, when I heard about the job and went back and looked at it and thought, what a cool company if they did this in 2014. What are the possibilities that they can do now? So it just seemed like an industry and a company that had so many possibilities. And I was just kind of really excited to even interview for it. But my impressions were mostly how successful the company had been with such a small team and coming from a small city like Limoges. So yeah, it was really impressive to see, you know, the big brands and companies that had already signed up to Icono Square and the work that they'd already done and the success that had. In terms of like the job description, there's always like there's not much difference between job to job, of course, but Icono Square really, like the people at Icono Square really left an impression on me. I was able to meet the rest of the team after the interview, and I just felt immediately that it's different than any of the other companies that I've interviewed with, and that kind of made it really easy to choose. After my interview with Trevor and Roma, they both said something that really resonated with me, that we're not necessarily hiring, like the resume matters, but we're hiring based on personality as well. C'est la première fois, et d'ailleurs c'est la seule fois qu'en entretien, j'entends parler de bien-être au travail. Toutes les startups sont définies des valeurs d'entreprise qu'il est de bon ton de ressortir au cours d'un entretien. Ici, c'est c'est Romain qui avait abordé le sujet et qui m'avait dit que c'était une des choses les plus importantes pour Icono Square. Et qui, voilà, la phrase exacte qu'il avait dit, c'était que leurs employés ont plus de valeur à leurs yeux que leurs clients. Et ouais, ça c'est un truc qui m'est resté en tête. Limoges was my first week when I just started, and I remember we came together with Caitlin and Gemma, and we were talking how welcome we feel. So this feeling of being welcomed by everybody, and you felt so pampered somehow, and everybody's so nice and attentive, and that's something I actually never really experienced before in a company, because obviously everybody's nice when it's your first day, but this type of niceness was like another level. So that was really, that was lovely. The first time that Grace and I arrived in Limoges, it was different because it was only the two of us here that started the Berlin office. And so when I arrived in Limoges, everyone was super nice, and it was a really, really cool experience because the day that we started, you know, it was a company decision to switch the internal communications to English. And just watching everybody kind of embrace that, I don't know another company that would have done that. And then from there, it just springboarded into so many possibilities. People were really, really friendly and you know, trying to see what was coming up in the product roadmaps. That was really, really exciting. And to see it actually in Limoges versus via Skype or Slack at the time,
You know, it was really, really cool to see the possibilities that were coming for Icono Square. I actually started my first week in Limoges and I was just very impressed by how many huge projects were happening all at the same time and how much everyone seemed to know about the industry. And it was quite intimidating for me to come in and know absolutely nothing. But everybody was really welcoming and made me feel very welcome. I was also surprised by the degree of autonomy that everyone has at Icono Square over their own work, because I worked at kind of a strict office before, so it was nice to get that kind of freedom to experiment and be myself and stuff. I don't feel like kind of like dragged by like corporate rules or like procedures or like certain code of conduct or anything like that. And I think that's important because it allows me to just kind of like focus on my job and my work. I think that is a very unique characteristic. On a quelques règles forcément parce qu'il en faut, mais au final on n'est pas... On laisse une liberté de gestion des emplois du temps à chacun qui fait que ça permet vraiment de s'adapter à son rythme de vie. On sait qu'il y a des gens qui sont du matin, qui arrivent très tôt et qui partent plus tôt que les autres forcément. Puis il y en a qui arrivent un peu plus tard et qui partent plus tard parce qu'ils préfèrent travailler un peu plus en soirée qu'en matinée. Et ça aussi c'est très important de s'adapter son rythme de travail à son rythme de vie. Qu'il n'y ait pas d'horaire fixe qu'on peut être... en accord avec sa balance intérieure. On m'avait jamais laissé le temps de faire les choses bien, on va dire, dans mon travail. J'étais dans des entreprises précédentes où il fallait développer très vite avec beaucoup de pression. Et c'est vrai qu'arrivé à Icono Square, j'ai laissé la pression de côté complètement et pour vraiment retrouver le plaisir à développer. J'ai retrouvé aussi beaucoup de temps dans ma vie perso. Pour moi, les choses importantes que je pourrais plus me passer, on va dire, c'est le télétravail. Bon, je pourrais pas parler pour tous les corps de métier, mais en tout cas pour développeurs, c'est vraiment important d'être dans le calme. It's really, really nice to not have to always go into an office. And you know, we're far from a corporation, but working from home is really, really a cool perk. Les jours fériés décalés. Et l'aménagement du temps de travail dont j'ai bénéficié au moment de la naissance de ma fille. Pendant 3 mois, j'ai pu bosser 4 jours au lieu de 5. Moi, je suis dans un cas particulier, c'est-à-dire que je travaille une semaine sur deux dans les locaux de la société. Je sais que dans pas mal de sociétés, ça ne serait pas possible. Donc rien que par rapport à ça, déjà, c'est un gros point positif. J'ai retrouvé aussi le plaisir de partir sur un projet depuis le début, chose qui ne m'était pas arrivée depuis un petit moment. Du coup, il faut penser à la conception du produit dès le départ. Et pour un développeur, c'est toujours sympa de partir de zéro. Le fait de pouvoir approfondir les choses, vraiment réfléchir en groupe à une évolution, une feature ou un produit market et de savoir, enfin, le fait de pouvoir le suivre dès le départ et de faire évoluer, ça donne beaucoup de sens en fait à mon travail. Ce qui me plaît bien, c'est le fait que maintenant on est une organisation par pôle de compétences. Comme ça, les gens sont plus indépendants, plus responsables. Ça, c'est un mode qui me va très bien parce que notamment là où je travaillais avant, je côtoyais des clients qui travaillaient dans des grandes structures, des grands groupes, mais eux qui n'étaient pas du tout libres, je dirais, qui étaient coincés dans des process compliqués, etc. Donc c'était vraiment, ils étaient vraiment embêtés par rapport à ça. Et c'est pas du tout ce que je recherchais. Je pense que le plus important, c'est l'autonomie qu'on me donne et également, ça va ensemble, du coup, la confiance qu'on m'a toujours donnée quant à mes missions. Donc, ce sont les deux choses vraiment qui me plaisent dans ce que je fais. C'est pas forcément sur le métier, mais surtout, sur le métier déjà, mais surtout sur le fait que voilà, j'ai une totale autonomie, une totale confiance de l'équipe et de l'entreprise. On prête beaucoup d'attention à l'éducation, au fait d'être continuellement dans l'apprentissage et tout ce qui va être la possibilité de voyager, la possibilité d'aller à des conférences, d'aller chercher, d'aller rendre visite à des clients, à des concurrents, à des entreprises dans notre domaine, aux quatre coins du monde et de pouvoir s'enrichir parce que là encore, on a encore plein de choses à apprendre et de pouvoir se frotter
à ces gens-là, c'est intéressant de pouvoir échanger en live plutôt que via email ou via Facebook. Voilà, la possibilité d'aller à Berlin, de pouvoir passer une semaine là-bas avec l'équipe là-bas, et le fait que ce soit encouragé aussi. Voilà, moi je trouve ça aussi super. Going to live in Limoges for 3 months to improve my French, really get the culture of both the Limoges and France in general, and that's just such an awesome perk to have the company support you in wanting to learn another language and really getting to live and work with the team. You know, you'll feel more close, and hopefully that will help everyone all around. The company genuinely wants the best for the employees, and I feel like they always go the extra mile to help us to achieve any goals that we want to achieve personally or professionally. For example, if you want to learn another language, the company will give you the tools you need to be able to do that. For example, language learning apps, or to be able to spend time in another city to learn that language. On est une société qui se porte bien, on dégage des bénéfices. Il est important que l'ensemble des personnes qui concourent à ce bénéfice en profitent. Donc on a 3 façons en fait de partager les richesses financières de la société. C'est à court terme, on a ce qu'on appelle un plan d'épargne entreprise sur lequel l'entreprise abonde chaque année. On a aussi de l'intéressement, c'est-à-dire chaque personne est intéressée sur les résultats de la société. Donc à chaque fin de bilan, on voit combien on peut octroyer à chaque personne. Et puis de façon plus long terme, on donne des bons de souscription à chacun des employés qui pourront à un moment donné les transformer en actions et donc devenir actionnaires de la société. Voilà, ça montre que l'entreprise a vraiment envie de travailler sur le long terme avec les mêmes personnes et qu'elles se sentent pleinement intégrées, intéressées par les résultats de l'entreprise. Alors moi je pense que l'intéressement est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire en gros de pouvoir dire aux gens, voilà, si votre travail amène de la valeur, crée de la richesse mécaniquement, il y en a une partie qui vous revient. Je trouve que philosophiquement, c'est extrêmement intéressant et en termes de motivation. Working with a company that kind of, you know, puts values in place and makes the company live those values is really important to a good company culture. And also, because I work in sales, especially, I need to sell a product that I believe in. And Iconos Square ticked both of those boxes. I believe that social media is huge and will continue to be huge. And I've always been had my ways with numbers and statistics, so when these things combined, I thought something was a fit. Créer des choses, des outils, être un peu chef de projet en quelque sorte de ces outils-là, puisque je les crée et je les suis du début à la fin. Je pense que ça motive, et de voir aussi que ces outils, ils contribuent un peu à la génération d'un quelconque chiffre d'affaires. Donc ça rend un peu le travail important pour l'entreprise, et j'espère un jour indispensable. I love problem solving, so being able to do that on a daily basis is perfect for me. J'aime bien être bloqué par des problèmes, essayer de les résoudre en travaillant sur diverses technologies. C'est voilà, quelque chose que j'aime énormément. Are you ready? Yeah. I feel like every day we come to work and we can try new things, we can do something new, and we fail at that. We have challenges doing that, but it's also really exciting to, you know, to be able to experiment. So that's something that I like a lot about the job. Le truc qui me plaît le plus, je pense, c'est le fait que ce soit assez pluridisciplinaire. Je bosse sur des problématiques business, design et tech. La façon globale, en fait, de travailler, la polyvalence qu'on a nous les salariés, enfin qu'on a. Voilà, on peut faire de tout. Un jour, on peut faire, voilà, moi, par exemple, un jour, je peux faire du content avec Émilie en écrivant des articles pour des blogs français. Aussi bien, l'autre jour, je peux créer des nouveaux outils. Enfin, c'est assez, on est assez polyvalents, à peu près tous. C'est assez motivant, je trouve, de ne pas stagner dans ce qu'on sait et toujours apprendre plus. Puis il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, c'est tout le temps en train de bouger, donc c'est intéressant de voir l'évolution. You don't feel like you're doing an office job because there's so many things happening. That's one of the perks because you always feel like you're on the move. I love coming to the office every day because I get on so well with everybody in the team. Like the Berlin office is like really close, and it's great being able to hang out with your colleagues after work. And I also like just there's a certain like creativity in like being able to
create content and stuff, and I really enjoy that as well, being creative and just having the freedom to like work my own way, my own time. Au niveau du support, je dirais que c'est justement l'aide aux membres de notre communauté qui font que bah, c'est très enrichissant. Les problématiques posées font aussi engendrent des réflexions de notre côté, donc c'est très enrichissant. Ensuite, au niveau plus général dans l'entreprise, tous les projets qui peuvent être proposés en parallèle de nos tâches personnelles sont également source de créativité, d'innovation, donc voilà, encore une fois très enrichissant. It's a portion of any company when they take it on and understand that customer success is probably one of the most important things if you're running a SaaS business. And it's super exciting because it's our job to make sure that the customers are getting the most out of the platform and getting the most out of their subscriptions. So it's kind of, it's really, really exciting. And that's what I love about my job, to kind of come up with more ways to help our customers that maybe they didn't even think about, you know, providing tips directly on the platform, improving the emails. We have a fountain of knowledge at IconoSquare about how to improve Instagram and now Facebook analytics and what to do with their presence on social media. Why not share it with the customers? And it's honestly, I look like a dork that I'm smiling, but I love customer success and I'm really, really passionate about it. J'ai envie de voir le blog décoller et j'ai envie de créer une communauté autour de notre culture d'entreprise, que ce soit avec les employés chez IconoSquare et aussi nos clients, les autres personnes qui sont dans ce domaine, qui voient un peu, qui nous connaissent un peu mieux et qu'on communique sur tout ça. Ouais. I mean, we're still young, we're growing, we're learning a lot of things, so that's great. Again, better is the enemy of good. You have to fail, you know, you have to learn. So every failure, every bad thing is a learning, you know. It's just a matter of how you turn it and how you see it. I think that maybe communication between the two offices could be better. I think a lot of people will probably say that because it is just hard when we're in two different countries and not everything gets communicated properly. And I also think we could be more transparent sometimes with our communication to customers. I think that consumers are like looking for a lot of transparency these days and we have to rise to that. Sur des choses qu'on essaie de mettre en place déjà, mais je pense qu'on pourrait s'améliorer, c'est des aspects sociaux et environnementaux. Embaucher des personnes qui ont des difficultés. Sur l'aspect environnemental, ben, on a un métier qui a un impact. On travaille sur Internet. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'améliorer. Et après, sur du quotidien, que tout le monde fasse le maximum pour avoir un impact le plus faible possible. Aujourd'hui, au travers de l'entreprise libérée, on a vraiment pris soin des personnes de l'équipe. Et puis on continue à le faire parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont être mises en place. On leur donne les moyens de s'exprimer, de s'épanouir. On met beaucoup de mesures en place, beaucoup de moyens qui leur permettent, pour ceux qui ont envie en tout cas, de développer des nouvelles compétences et puis de découvrir d'autres choses connexes à leur métier. On s'occupe aussi très très bien de nos clients, mais par contre dans notre équation il y a une chose dont on s'occupe très très mal, c'est notre planète. Là je dois dire qu'aujourd'hui en 2018, bah, la société IconoSquare elle n'est pas très bonne sur ce sujet-là et on est même vraiment loin de compte sur certaines choses et j'aimerais vraiment qu'on prenne ce nouveau chemin vers l'entreprise consciente, qu'on embrasse tous les changements que ça va demander parce que c'est important pour nous, c'est important pour les générations futures. Et je me dis que si on arrive à faire quelque chose de bien dans un collectif de 30 personnes, bah c'est quelque chose qui est duplicable. On a une pollution digitale qui est inhérente à notre activité, notamment au niveau de nos serveurs, mais on n'est aussi pas très bon sur notre politique d'achat, sur notre façon de recycler notre matériel, sur notre politique de transport, sur l'alimentation au sein de l'entreprise. Voilà, toutes ces questions, bah, c'est des questions que j'ai envie de mettre sur la table. J'ai envie qu'on s'interroge collectivement et qu'on apporte des réponses, des solutions et qu'on s'engage sur les prochaines années parce qu'encore une fois, je pense que l'urgence, elle est là et qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour réagir. Donc, donnons-nous le temps de faire les choses bien, d'y réfléchir et je suis sûr que ça peut être quelque chose une source de joie et puis surtout une source de fierté. La fierté, elle est vraiment présente dans cette société. Je pense que les gens sont fiers d'appartenir à une société comme IconoSquare pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment. Mais on peut tirer encore une plus grande fierté si on arrive à transformer
un modèle qui en fait nous inscrit toujours soit dans quelque chose de croissant ou de décroissant, et peut-être d'aller vers quelque chose, vers une économie type circulaire ou s'inspirer de la permaculture. Voilà, c'est des pistes que moi j'ai envie d'aborder, que j'ai envie de soumettre à l'équipe, et c'est là-dessus je pense qu'on peut vraiment s'améliorer. Je sais pas combien on était quand je suis arrivé, mais on était une dizaine, peut-être 12, 13 qui a tout cassé. On est 32 maintenant, dans deux pays, et on arrive quand même à garder ce côté humain. Quand on fait des réunions d'équipe globales, on voit qu'encore on a des gens bien. Donc on arrive à recruter sans se perdre, et ça c'est, j'espère que ça continuera encore longtemps. J'ai un pote qui m'a rendu visite la semaine dernière, le week-end dernier, et qui m'a demandé en gros comment ça se passait dans ma nouvelle boîte. Et je lui ai un peu raconté tout ce que je viens de vous dire pendant l'interview, et il était à la fin... Il m'a dit cette phrase qui, là, va ressonner très, très cheesy, mais je trouvais que c'était assez juste. Il disait, ouais, en fait, c'est juste comme ça que ça devrait être. It's like everything I wanted from an ideal job, plus a little extra. So it's a very high standard of like employee satisfaction, I would say. Le truc, c'est que les personnes qui me connaissent bien savent à quel point je suis bien dans mon travail, donc j'aurai pas beaucoup de boulot pour leur convaincre que c'est une bonne société. Pour en parler de mon entreprise à mes amis, mes proches, ma famille, c'est souvent le bien-être du salarié au travail que je mets sur la table, et tout le monde hallucine un petit peu de voir qu'une entreprise fait tout ça pour ses salariés. Donc je pense que clairement ça peut être un gros poids dans la balance si quelqu'un hésite à changer d'entreprise. Il pourra réellement s'épanouir dans son travail tout en profitant de la vie à côté. Il y a du stress parce que c'est un peu propre à notre travail, mais c'est un stress qu'on s'efforce de rendre positif, et on voit qu'à l'heure actuelle, ceux qui sont arrivés récemment, ils sont rapidement opérationnels et ils se plaisent. Donc, c'est le principal, quoi. C'est d'être quelque part où on se sent utile et où on se plaise. Je dirais qu'Iconosquare, c'est une petite famille, c'est une entreprise qui est vraiment bienveillante. Qui te donne toutes les clés pour réussir, aussi bien professionnellement que personnellement. Un endroit où il fait bon de progresser, dans une équipe avec des profils divers, c'est très intéressant. Justement, je pense que c'est une entreprise qui fait tout pour le bien-être de ses employés. Et je pense que c'est rare. On voit le côté humain avant de voir le côté financier de la chose. If you are interested in social media and if you are interested in people and you want to combine those two things together, I think Iconosquare is the perfect place to work. Je pense que c'est l'ouverture d'esprit générale et des gens qui ont tous vraiment quelque chose à apporter au niveau individuel, au groupe. Et tout le monde s'enrichit en fait de cette expérience-là. En commun. Well, if you join us, you will have to deal with my bad jokes. So, we have a very lovely team, both in Berlin and in Limoges, and we're all like, it's like a little family. So, I love going to work. I love saying hello, everybody. How are you doing? And we chit chat. We have fun. We hang out after work. So, if you're looking for an environment like that, where people care for each other, come join Iconosquare. So if I were to share anything with someone who is applying for Iconosquare, or someone who is interested in Iconosquare, I would definitely say that if you want autonomy, you'll get autonomy at Iconosquare. And it's something that drives the business, and I think we all feel it. You know, Iconosquare gives it and is really passionate about making sure that people feel like they own what they're working on and can really develop their skills to make them a better employee and make them, you know, a better worker as well. Moi, ce que j'ai envie de dire à une personne qui, pour lui la convaincre de venir nous rejoindre, c'est qu'aujourd'hui, Iconosquare, et peut-être plus largement Tripniti, la maison mère du service Iconosquare, c'est que c'est un champ des possibles pour ceux qui ont envie de venir cultiver la terre. Si vous avez des projets, des envies, c'est le bon endroit pour le faire, parce que non seulement on va mettre autour de vous, on va mobiliser des moyens, et puis on va tout faire pour vous épauler
pour que vous puissiez réaliser ces objectifs. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés qui s'impliquent autant pour que les personnes puissent se réaliser. J'aimerais me retrouver avec d'autres sociétés qui ont la même philosophie et pour être plus présent et mettre en avant le message. Mais localement, en tout cas, oui, je pense qu'on est une société unique dans le rapport qu'on a à nos employés. Yeah, it's really amazing to see how, you know, with those product changes and all the new improvements, how we achieve as a company and the kind of places that we've come from this point to, you know, this point. So yeah, it's the story behind Iconosquare and how, or Statigram, really resonated with me, and how long people have been working for the company. Some of you have been working together for 9 years, 10 years. That's really, that's impressive. Aujourd'hui, je suis dans la société depuis 10 ans. Il y a eu beaucoup de choses de passé et puis encore beaucoup de belles choses à venir. Pour moi, Iconosquare, c'est une belle histoire. Pour moi, Iconosquare, c'est une grande aventure. C'est une aventure. There's so many possibilities of where this product and platform can go in the great world of social media, and I feel like we're just opening the door on all the possibilities. So it's really exciting to me to work at Iconosquare. Fun and exciting. Iconosquare is fun. Iconosquare pour moi c'est cool. Pour moi Iconosquare c'est l'esprit start-up à Limoges. C'est la boîte rêvée de beaucoup de salariés, je pense. C'est le bien-être au travail, la confiance et l'autonomie. Iconosquare is inspirational to me. Pour moi, Iconosquare, c'est l'évolution. Iconosquare, for me, is incomparable. Aujourd'hui, c'est un produit numérique. Demain, ce que sera la société, ça sera peut-être autre chose, mais on a toutes les compétences en interne et c'est un groupe de personnes qui arrivent à s'entendre et à construire des produits numériques. Pour moi, Iconosquare, c'est une entreprise moderne et humaniste. C'est l'humain avant tout. Une société où, en fait, tout le monde peut s'enrichir individuellement au contact d'un groupe et trouver du sens. C'est un groupe qui avance dans la même direction et, voilà, et qui prend des forces de plus en plus. Pour moi, Iconosquare, c'est une équipe. Iconosquare, for me, is friendship. Pour moi, Iconosquare, c'est comme une seconde famille. Pour moi, Iconosquare, c'est une famille. Iconosquare, for me, is family. Pour moi, Iconosquare, c'est une grosse partie de ma vie et une partie dont je suis fière. Pour moi, Iconosquare, c'est nous tous. Tout simplement.